Née dans la mer, la vie a prospéré sur terre. Et ceci, grâce aux plantes. Le sol, c'est lui qui donne la vie aux plantes. Et il est bien loin de n'être qu'un agglomérat de substances minérales. Le sol est le résultat d'un très long processus de décomposition, des siècles d'érosion des rochers par l'eau et les intempéries, de réactions chimiques, d'interactions entre les racines des plantes, les micro-organismes et les animaux. Les premiers occupants des rochers furent les lichens et des mousses de diverses variétés. On dit qu'il faut au moins 300 ans pour former une couche d'un centimètre d'épaisseur. Mais au Japon, pays d'origine volcanique recouvert par des cendres, c'est entre plusieurs centaines et plusieurs milliers d'années qu'il a fallu pour que ces cendres se transforment en terre. L'eau circule dans l'atmosphère et dans le sol. L'eau qui s'écoule dans le sol contient beaucoup de matières nutritives. Elle vient des forêts et va irriguer champs et rizières. Tout près du célèbre Mont Fuji se trouve la ferme d'Ohito, qui dépend de la Fondation internationale de recherche en agriculture naturelle. Le printemps y est la saison la plus agréable, avec ses arbres en bourgeon et ses cerisiers sauvages en pleine floraison. Depuis les temps les plus anciens, les Japonais ont appris que l'homme fait partie de cette merveilleuse nature. Avec espoir et patience, de jeunes agriculteurs travaillent dans les champs, en s'efforçant d'y respecter la place de la nature. Il y a 10 ans, ces terres n'étaient que des friches. Voici ce qu'elles sont devenues après 10 ans d'efforts et de soins répétés. Un échantillon prélevé dans le sol montre que la terre souple et meuble constitue aujourd'hui une couche de près d'un mètre d'épaisseur. Une forêt de hêtres. Il suffit de voir une terre de forêt pour comprendre combien la terre naturelle peut être fertile. La terre y est très souple parce qu'elle renferme beaucoup d'air. Issue de la terre, les feuilles mortes et les brindilles séchées retourneront bientôt à l'état de terre. Les animaux microscopiques sont les premiers prédateurs des feuilles mortes, bientôt suivis des bactéries, des champignons et des actinomycètes, tous invisibles à l'œil nu. Voyez comment les champignons envahissent les tissus constitutifs des feuilles. Ici, ces bactéries sont en train de se nourrir de feuilles mortes. Qui vont se décomposer progressivement. La
terre sous les feuilles mortes. La lumière du soleil ne pénètre pas ce monde de tout petits animaux qui aide à transformer les matières organiques en terre. Ce jeune agriculteur épand sur les champs différentes sortes de matières organiques dans le but d'obtenir un sol aussi naturel que possible. Ces matières organiques vont favoriser la présence de toutes sortes d'animaux et en particulier des vers de terre. Au Japon, on a l'habitude de dire que les vers de terre aident à labourer la terre et à la rendre plus légère. Voici du compost fabriqué par l'homme. La décomposition qui s'y produit est tout à fait semblable à celle des feuilles mortes dans la forêt. Cette décomposition nécessite la présence de micro-organismes et d'animaux microscopiques tels que les mites. Le microscope électronique nous permet de voir ces organismes en train de décomposer la matière organique. Voici des micro-champignons appelés fungus. Et voici un spore de ces champignons. Voici maintenant des actinomycètes qui dominent en nombre lorsque la température augmente par suite de la décomposition microbienne. En fin de décomposition, la matière organique devient de l'humus, qui est un des constituants principaux de la Terre. D'innombrables micro-organismes complexes s'agitent autour de cet humus. Voici un sol à structure agrégatée, contenant beaucoup de matière organique. Cette structure provient de la combinaison de l'humus et d'autres constituants tels que le limon, le sable et l'argile. Les polysaccharides, qui sont de longues chaînes de sucre produites par le métabolisme microbien, soudent ces constituants entre eux pour former des agrégats solides. Le caractère poreux de cette structure permet à la terre de retenir les éléments nutritifs des cultures, ainsi que l'air et l'eau, procurant aux micro-organismes un milieu très favorable. La matière organique contenue dans la terre attire de nombreux micro-organismes qui s'en nourrissent. Les bactéries et autres animaux primitifs s'agitent autour de cette matière organique. Voici à quoi ressemblait, vu au microscope électronique, la terre d'Ohito il y a 10 ans. Et voici ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Sa structure est très poreuse. La terre dure et facilement collante d'autrefois est devenue une terre souple et tendre. Une analyse chimique de cette terre montre combien elle est équilibrée et propice à la croissance des plantes. Une autre méthode utilisée à la ferme d'Ohito consiste à améliorer les sols en y faisant pousser certaines variétés de plantes. Essentiellement des légumineuses ou des graminées. Voici du trèfle semé entre du blé. Ici, une variété de vesse laiteuse chinoise, deux espèces qui se décomposent facilement. Ces légumineuses s'associent en symbiose à des bactéries qui provoquent sur leurs racines le développement de nodules. Ces bactéries fixent l'azote de l'air qui, ensuite, sera disponible pour la plante.
Voici ces bactéries fixatrices d'azote qu'on appelle rhizobia. Ici, nous voyons des mycorhizes. Ces micro-champignons pénètrent les cellules des plantes et, en échange de sucre, leur fournissent des éléments nutritifs tels que du phosphore. Sur cette image, le phosphore absorbé par la bactérie apparaît en rouge. La veste chinoise est enfouie dans la terre pendant le labour. Elle améliorera les propriétés aussi bien chimiques que physiques et biologiques des surfaces cultivées. Les racines croissent solidement en se frayant leur chemin dans la terre. D'innombrables radicelles commencent à pousser tout autour de la racine. Les racines des plantes cultivées, ainsi que celles des mauvaises herbes, brisent la terre tout en s'allongeant. Elles la rendent plus souple et l'améliorent de façon importante. Observons la croissance d'une racine au microscope. Les radicelles en partent de tous côtés. Ces radicelles servent à apporter à la plante l'eau et les éléments nutritifs dont elle a besoin. Observons ce qui se passe autour de la racine pendant la croissance. Voici l'extrémité de la racine, où précisément a lieu l'allongement. Les parties anciennes de la racine se détachent en permanence. Il y subsiste encore une certaine activité. Mais les micro-organismes vont en faire leur proie. Ce point de croissance est le siège d'une très grande activité bactériologique. Bien qu'on ne les voit pas, les éléments nutritifs sont sécrétés par les radicelles. Les micro-organismes sont nombreux alentour, car ils se multiplient en se nourrissant des éléments nutritifs sécrétés. Inversement, quand les micro-organismes meurent, la plante se nourrit de leurs restes. Ce qu'on voit autour des racines, ce sont des bactéries. On observe aussi de nombreux protozoaires. Ainsi, les micro-organismes survivent en coopérant avec la racine. Et on peut rapprocher cette situation de celle observée chez l'homme avec les bactéries intestinales. Au microscope, comment les micro-organismes présents dans la terre luttent entre eux pour s'emparer des éléments nutritifs. Voici deux spores de champignons. Ils se développent en faisant croître des tentacules depuis leurs spores. Qui va gagner? Soudainement, ils stoppent l'allongement de leurs tentacules. Une information semble les prévenir de la présence immédiate d'un autre corps. Champignons pathogènes, et la plus petite, une autre sorte de champignon dénommé Trichoderma.
La plus petite s'enroule autour de la plus grosse qui commence à se dissoudre. Il s'agit là d'un exemple typique de compétition microbienne. Plusieurs variétés de nématodes vivant dans la Terre se nourrissent de champignons et de bactéries, alors qu'inversement, certains champignons se nourrissent de nématodes. Ce champignon se prépare à attraper un ennemi en se servant de son propre corps. Une nématode est maintenant prise au piège et sera mangée par le champignon. Les bactéries se nourrissent également de nématodes mortes. Les bactéries se multiplient à un rythme extraordinaire. Mais elles sont elles-mêmes la proie des amibes, ces êtres primitifs que l'on voit ici apparaître au premier plan. L'amibe approche sa victime en se tortillant sur elle-même. Les bactéries, visibles sous forme de points noirs, sont avalées, mais ne sont pas digérées immédiatement. On peut en voir quelques-unes se déplacer à l'intérieur de leur prédateur. L'amibe que nous voyons ici, vise-t-elle la matière organique colorée en orange? Non, elle passe tout droit et attaque un groupe de micro-organismes. Elle les engloutit et mettra un certain temps pour les digérer complètement. Mais un jour, la puissante amibe viendra à s'affaiblir et sera alors encerclée par les bactéries. Dans ce monde souterrain, tous les micro-organismes luttent pour leur survie dans le cadre d'un écosystème qui empêche l'apparition subite d'espèces nouvelles. Voici un champ où la même culture a été pratiquée pendant des années. De très grandes quantités d'engrais et de produits chimiques ont été utilisés à cette fin, risquant d'engendrer la prolifération de bactéries pathogènes. Comparons la terre de ce champ à celle d'un champ en bonne santé. Et pour ce faire, diluons ces deux terres dans de l'eau. Dans la terre en bonne santé, qui contient une quantité adéquate de matière organique, nous pouvons observer des colonies de micro-organismes différents. Par contre, dans la terre en mauvaise santé, nous ne voyons qu'un nombre très limité d'espèces. Ici, une espèce particulière prolifère à la surface de la coupelle. Ce sont des fusariums, qui sont une espèce de champignons pathogènes vivant dans la terre.
Sur la droite, on peut voir la racine d'une plante cultivée. Les fusariums s'approchent des radicelles pour finalement envahir la racine au bout d'un certain temps. Affaiblie, la racine sera une proie facile pour d'autres micro-organismes tels que bactéries ou nématodes. Ce sera la mort de la plante. De nos jours, la fusariose, comme on appelle cette maladie, cause de gros dégâts aux cultures légumières. Voici par exemple un plant de chou chinois entièrement contaminé. La même culture y avait été pratiquée pendant des années. Les champignons ont complètement envahi les racines des choux. L'hiver, ces champignons hibernent dans la terre sous forme de spores. L'année suivante, les spores se réveillent au moment où les choux sont plantés de nouveau. Les champignons envahissent alors les racines et se remettent à les parasiter. Autrefois, lorsque les pesticides chimiques n'existaient pas, les agriculteurs avaient leur méthode pour lutter contre ces maladies. Par exemple, la culture mixte. Cette pratique est encore utilisée par certains agriculteurs au Japon, qui font par exemple pousser des oignons verts et des poireaux au milieu de champs de melons. Comment cette méthode permet-elle de lutter contre ces maladies? En fait, on s'est aperçu que les bactéries anti-champignons vivent en symbiose avec la racine des oignons verts. Nous observons ici ces bactéries, en même temps que les champignons pathogènes du fusarium. Ce dernier cherche à étendre ses tentacules. Mais les bactéries les encerclent et limitent ainsi leur croissance. Elles peuvent même les digérer. Ainsi, la culture mixte est une des pratiques naturelles qui permettent de contrôler la santé biologique des terres sans avoir à recourir aux méthodes chimiques. Voici une terre dans laquelle on a utilisé pesticides et engrais chimiques. Elle contient peu de matière organique et donc peu de vie. Elle est dure et compacte, et sa couche de surface résiste au mal au vent et à la pluie. C'est en épandant sur le champ fumier et autres matières organiques, en quantité suffisante, que l'on pourra redonner vie à cette terre.
tant que cette terre restera en bonne santé, les cultures porteront de magnifiques feuilles, fleurs et fruits. Voici l'aire de fabrication du compost. Elle constitue un beau terrain de jeu pour les enfants, qui viennent y capturer des coccinelles. Les coccinelles pondent leurs œufs sur les billots, une fois terminée la récolte de champignons. Les larves ont maintenant atteint la taille d'insectes adultes. Outre les coccinelles, de nombreux animaux habitent les lieux. Ainsi, la nature dispose avec ses créatures d'un système très au point de recyclage vers la terre de ses propres déchets. Qu'en est-il de la société humaine? Durant la dernière moitié du siècle, l'homme a créé beaucoup de produits qui n'existaient pas dans la nature auparavant. Ils ont été jetés après usage, et le sol est devenu un dépotoir. Ces produits échappent totalement au système naturel de recyclage. Les cerisiers fleurissent à nouveau à la ferme d'Ocito. La terre est pleine de vie et donne naissance à de nouveaux organismes. Et elle-même tire cette vie des nombreuses créatures de la nature. Quiconque replace la vie humaine à l'échelle cosmique sait qu'elle n'est qu'une des innombrables formes que peut prendre la nature. Différentes formes de vie servent de nourriture à l'homme, et on peut ainsi dire que c'est l'homme qui fabrique sa terre. Recréer l'équilibre dans l'écosystème d'une exploitation agricole exige le travail mystérieux de la nature tout autant que celui de l'homme. Les méthodes de l'agriculture durable sont là pour nous aider à produire des aliments sains tout en respectant l'environnement et la nature. Le croire en voyant ses racines pousser superbement dans une terre en bonne santé.